Sans ça, je ne l'aurais pas fait. Pourquoi Camille Combal a accepté de remplacer Nikos Aliaga aux Energy Music Awards? Une annonce inattendue. Pour la première fois depuis plus de 10 ans, Nikos ne sera pas aux commandes de la cérémonie des Energy Music Awards. La raison? Une violente chute survenue lors du dernier prime de la Star Academy. Nikos est tombé du plateau de la Star Academy, il a fait une chute de près de 2 mètres. Il a lancé la pub et il est tombé dans la fosse du public. Il boitait et il est parti du plateau avec une vraie douleur, a notamment confié Jean-Pascal Lacoste sur Twitch. Après une mauvaise chute, je me suis blessé samedi sur le prime de la Star Academy. Virgule, hâte de vous retrouver samedi en direct pour la demi-finale de la Star Ac. A de son côté annoncé Nikos Aliaga sur son compte Twitter. Pour remplacer Nikos Aliaga au pied levé, c'est Camille Combal qui a été choisie. Remets-toi bien Nikos Aliaga. Pressé de te retrouver en forme samedi soir. Et merci pour la confiance mon ami. Stress à 8000 maintenant pour être à la hauteur, a écrit l'animateur de danse avec les stars sur son compte Twitter. Jeudi 17 novembre, Camille Combal a confié aux Parisiens la raison qui l'a convaincu d'accepter de remplacer Nikos Aliaga. On m'a sollicité mardi soir mais j'étais au théâtre. Donc je n'ai pu rappeler que le lendemain. Et à la première heure, j'ai contacté Nikos pour prendre de ses nouvelles et discuter de tout cela avec lui. Là, il m'a dit qu'il avait lui-même proposé mon nom pour prendre la relève. Sans ça, je ne l'aurais pas fait, a-t-il expliqué. Je dois me familiariser avec toutes les catégories. Les prestations, les artistes. Mais je suis content de retrouver des gens que j'adore comme Clara Luciani ou Aya Nakamura. Ajouté Camille Combal. Des préparatifs sous haute tension.